Luis Enrique a assumé ses erreurs en conférence de presse. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des propos. On va revenir sur les propos de Luis Enrique. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot. Ici nous on n'est pas nous parle de foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos si c'est fait partie. Alors les amis. Luis Enrique a assumé en conférence de presse que c'est lui le premier responsable de la débâcle du PSG. Et j'aime les entraîneurs comme ça, les entraîneurs qui assument, les entraîneurs qui savent que si ça se passe mal, c'est d'abord lui le premier responsable. Et à juste titre, c'est lui le premier responsable. Parce que lorsque tu sors une compo qui sort de l'espace, tu sais bien que Newcastle va te presser haut. Tu sais bien que Newcastle va te rentrer dedans. Tu sais bien que Newcastle va te laisser très peu d'espace. Ils vont t'harceler. Ils vont te chercher très haut. Mais tu te permets quand même de jouer avec. Je te permets quand même de jouer avec quatre avant-centres. Quatre avant-centres, les amis. Avec deux milieux de terrain qui étaient abandonnés à eux-mêmes. Donc, on peut me dire tout ce qu'on veut, mais moi, je trouve que Luis Enrique y est pour beaucoup. Il est vraiment pour beaucoup dans cette défaite. Après, il a assumé. J'espère qu'il va retenir de ses erreurs. Et le PSG est deuxième. Ils sont deuxième. Tout n'est pas mort. Ils ont 3 points, Newcastle 4 points, non, ils sont à 1 point du premier. Donc, il n'y a pas encore de danger de mort. Et on espère que Luis Enrique va corriger ses erreurs dans les prochains matchs. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Est-ce que tu penses que cette défaite est entièrement la faute de Luis Enrique? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ce sont, c'est dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.